Ethan qui nous a appelé au 01 42 30 10 10. Salut Ethan. Salut Ethan. Salut, salut. Merci d'avoir été patient Ethan, on est déchaîné ce soir. Est-ce que vous êtes déchaîné vous aussi? Non. J'ai été déchaîné de une envie de parler ce soir. Vous êtes au bon endroit Ethan. On vous écoute. Bon, je commence par le positif ou le négatif? Comme vous voulez. Bon, on va commencer par le positif. Messi, très bon match. Un magnifique coup franc qui promet beaucoup de choses pour l'avenir, c'est très bien. Ouais. Neymar qui change de comportement, devient beaucoup plus pro, j'adore. Bon après, voilà, c'est que le premier match où il fait ça depuis quelques temps. Ouais. Moi, je veux quand même rappeler que contre Bruges, il a couru 10 km Neymar et on l'a pas assez dit, je trouve. Mais bon. Bah, au niveau de retour défensif, oui. Voilà. Je le dis au passage. Bon, maintenant, les choses qui fâchent. Alors on va commencer par Thilo Kehrer. Tiens, Thilo Kehrer, je crois que c'est l'un des seuls gars que je connais qui est capable de stopper une action de sa propre équipe en taclant l'un de ses propres joueurs. Alors voilà, on va raconter ce qui s'est passé. Donc Neymar nous fait un festival, il élimine 18 joueurs lyonnais, il est vraiment à la frontière de la surface adverse. Et là il fonce dans Kehrer, enfin, je sais pas ce que fait, il lui met un stop en fait. Ouais, il a des problèmes de latéralisation, il s'est cru en défense, il a défendu, le gars il a vu arriver quelqu'un, on peut pas lui en vouloir pour une fois. Neymar lui fonce dedans, mais vraiment ça se télescope, c'est vrai que c'est improbable cette scène. Il aurait pu lui péter une côte surtout. Ouais, improbable. Ah, bon, ça vous a pas plu, Ethan, je peux comprendre. Et quoi d'autre? Surtout qu'en plus le match en lui-même n'est pas vraiment intéressant de Kehrer. Après, à sa décharge, le mettre à droite, c'était peut-être pas une bonne idée. Après, surtout derrière Hakimi. Hein. Enfin, après très Hakimi. Mauvaise oui, idée. Après Hakimi, il fallait qu'il se repose aussi. Alors, juste, on va demander son avis à Emeric là-dessus sur le positionnement. 1-42-30-10, qui visiblement a beaucoup de choses à nous dire. Oui, alors Ethan, vous avez taillé un costard à Kehrer en latéral droit, et je sens que vous n'aviez pas fini de râler. Non, Lionel Messi, je ne comprends pas sa réaction. Quand il est sorti, alors j'ai entendu certaines réactions comme quoi il n'avait pas l'habitude de sortir à Barcelone. Mm-hmm. Je veux bien, mais c'est pas comme si on l'avait sorti à la mi-temps. Et là, à ce moment-là, j'aurais pu comprendre. Mais à la 76e, première fois qu'il joue au Parc, je trouve que c'était un manque de respect de ne pas serrer la main de Pochettino comme ça. Je veux dire, 76e, c'est pas comme j'ai dit, comme si on l'avait sorti à la 52e. Il a quand même fait une bonne partie du match. Et en sachant que Lionel Messi va bientôt jouer contre Manchester City, dans 10 jours à peu près, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Après, le coaching en lui-même de Pochettino, mais en soi, Messi, je peux comprendre. Mais alors, moi, je voudrais juste apporter une petite précision. On a tous revu les images de cette fameuse sortie. Après avoir revu sous un autre angle, on n'a pas le sentiment qu'il refuse de serrer la main de Pochettino. On a le sentiment que Pochettino, en fait, ne lui tend pas la main, il fait un geste. Pochettino. C'est pas... Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Emeric? Je sais pas. Moi, j'ai même vu des images où il se touchait un peu la jambe avant de sortir, Messi. Le genou où il avait été un petit peu blessé. Est-ce qu'il lui a posé une question? En fait, je sais pas ce qu'il lui dit, Pochettino a dit qu'il lui avait dit « Comment tu te sens ?» et que Messi lui avait répondu « Je me sens très bien ». Mais est-ce que ça voulait dire « Je me sens très bien, pourquoi tu me sors ?» ou « Je me sens très bien, t'inquiète pas, je vais m'asseoir ». Après, le coaching en lui-même... au moment où on est un peu dans la panade, on fait un match vraiment moyenasse, faut dire la vérité. Sortir Messi, moi je vois pas l'utilité. Je pense que ce gars-là, sur un coup de pied, sur une passe, il vous débloque un match. C'était pas le moment de le faire sortir. Mais de toute façon, ça fait quoi? Ça fait 9 mois qu'il nous fait un coaching bizarre. Ou bien il fait rentrer personne, ou bien il se plante un peu dans le coaching. Ouais, mais alors attendez les gars, parce que on lui a déjà reproché de pas sortir les stars. On reproche toujours aux coachs qui sortent pas les stars. Par exemple, Mbappé s'il fait un mauvais match, ou Neymar s'il fait un mauvais match, on leur reproche de pas les sortir. Pourquoi là, on lui reproche de sortir Messi? Est-ce que c'est pas aussi une façon d'asseoir son autorité et de faire comprendre au monde entier que Messi, même si c'est Messi, n'est pas au-dessus du club, Emeric? Oui, justement. Oui, Ethan. C'est ça le problème, c'est que le fait qu'il sorte Messi, moi ça ne me dérange pas, c'est justement la réaction de Messi derrière qui se croit, j'ai l'impression qu'il se croit un peu au-dessus du club, parce que derrière il y a le visage fermé. Aussi quand il va sur le banc, moi j'ai pas trop apprécié ça. Oui, mais Ethan, si c'était vous sur le terrain et que vous sortiez alors que vous avez pas envie de sortir, on sait très bien que pour les joueurs de foot c'est quelque chose qui est pas facile à gérer pour tous. Enfin, je veux dire, même les joueurs qui sont beaucoup moins en vue que Messi, hein, Emeric. C'est son premier match au Parc. Le gars, c'est pas la pression. Lui, il subit pas la pression, mais il a envie de se montrer. On sait que le PSG là, du coup, avec l'arrivée de Messi, est regardé sur toutes les télés du monde. Est-ce que c'est le moment vraiment de le sortir sur ce premier match-là? Je pense que c'est un peu
peu maladroit. S'il veut asseoir son autorité, il a tout le loisir de le faire pendant les entraînements. Faut pas me faire croire qu'il attend les matchs pour faire ça. Et encore une fois, Messi, il fait pas un mauvais match. Moi, je veux bien qu'on sorte Neymar ou Mbappé quand ils font des matchs catastrophiques et qu'ils mettent pas un pied devant l'autre ou qu'ils sont blessés ou qu'ils traînent la patte. Mais là, en l'occurrence, bon, il a fait une très bonne première mi-temps. Il était un peu plus absent en deuxième mi-temps. Mais moi, je pense qu'on avait besoin de Messi sur la fin de match. Alors, on a encore d'autres appels. Merci.